Alors, attends. Juste 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur 60 secondes, mon jeu préféré. Pour ceux qui ne connaissent pas 60 secondes, en fait, c'est... Bah, on va voir tout à fait. Là, c'est au moins la troisième fois que je joue. Je suis pas du tout fort, mais aujourd'hui on va essayer de battre mon record, c'est 21 jours. Voilà, c'est pas top, mais bon, voilà. On va pouvoir commencer, donc, alors, moi je connais que Apocalypse. Alors attends, d'abord il faut réfléchir, d'abord, en tout premier, il faut prendre la famille. Ensuite, le kit de soins, le masque à gaz, la radio, de la bouffe, beaucoup de bouffe, parce que, ouais... Soit ils vont pouvoir aller en chercher. Bref. C'est parti. Donc là, je suis sur la toute dernière version. Donc voilà. Ça fait peur. Alors, tiens, la famille, elle est où? On a la hache. Pourquoi elle est plantée au mur, la hache? Allez. J'ai pris la radio. Je sais pas. Attends, je regarde même pas. J'ai peur. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Jour 1. Alors, pour de vrai, on est pas mal. J'ai pas pris la radio. J'ai pas d'eau. J'ai pas beaucoup d'eau. Eh les gars, l'eau, il va falloir bien rationner. Hein, parce que là, on en a pas beaucoup. Ok, alors, on a déjà la lampe. La lampe pour pancake, ça c'est pas mal. On a ça, ouais. On a des balles, les balles pour la douche là, parce que il y a une douche là qu'ils doivent prendre et il faut soit des balles, soit l'insecticide, soit ça. Et s'ils l'ont pas, bah ils tombent tous malades. On a le kit de soins. On a beaucoup de bouffe, pas beaucoup d'eau. J'aurais peut-être dû prendre le fusil. Et on a les dames, voilà, pour pas qu'ils deviennent malades. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, oui, donc, ah oui, voilà, donc, on a cliqué d'abord, entrée, voilà, dernière seconde. En plus, c'est vraiment la dernière seconde. Il y avait déjà des balles. Alors, les étagères sont pleines de boîtes, on mangera des boîtes, on dormira sur les boîtes, et même on parlera avec les boîtes, d'accord. Certaines parmi sont déjà, ok, le font déjà, d'accord. Alors, il y a plein d'eau pour tout le monde, ouais. Ouais, hein, il n'y a qu'une bouteille, hein, mais bon. C'est pas grave. Nous, pour l'instant, normalement, voilà, tout le monde va bien. On est plutôt pas mal. Ok, alors. On vient de se rappeler que les deux mois, le voyage dans le sud. Oui, bah là, votre voyage, je crois. Voilà. J'ai très, très peur. Jour 2. Jour 2, déjà, personne n'est malade. Ça, c'est un bon début. Vraiment peur, j'ai peur. Parfois ils tombent malades très vite. Alors, pour le moment, laissons ces plans de côté. Très bonne idée, Mary Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas opposé. Ouais, ok. Timmy, qu'est-ce qu'il a? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois, la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Bah, vu dans leur cas, oui, ça c'est une bonne nouvelle.
Dolores, qu'est-ce qu'elle a? Bah rien de nouveau, même si jamais elle aurait... Ok, peut-être va bien, pas pour l'instant. Ouais, une expédition pour demain, je pense qu'on va faire un mari game. Dès la matinée, on a très mal à l'aise. Ouais. Eh, par contre, vous me cassez là, je vous en prenez une dans la gueule. Ok, tout va bien. Personne n'est malade. Alors, déjà la mort, d'accord. Et Mary Jane nous demande de lui trouver quelque chose à boire. Bah Mary Jane, tu vas bien attendre, hein, parce que... voilà quoi. Un peu d'eau, Timmy. Ouais, là normalement c'est soif, ouais, soif, soif, soif. Il faut attendre déshydratation et le jour encore là. Alors moi, Mary Jane... J'hésite. Masque à gaz ou pas? Parce que si elle casse le masque à gaz, elle peut tomber malade. Enfin, la douche, autrement, il y a encore l'insecticide, mais l'insecticide, ça sera plus pour la poubelle. Et les balles, du coup, ce sera pour la douche. Mais je sais qu'il tombe directement malade. Masque à gaz. S'il te plaît, Mary Jane, ne le casse pas. Donc, elle est partie. Alors... Mary Jane est partie à l'extérieur. On attend son retour impatiemment. Équipement, masque à gaz. Timmy est dans un état lamentable. Nous devons lui donner de l'eau maintenant. Oh, Dolores n'est sûre. Vous êtes sérieux? Bon, normalement, ils sont tous en déshydratation. On va attendre le jour prochain. Donc, je crois qu'il faut leur donner de l'eau tous les 5 jours. Oh non, attends, c'est quoi? Tout bascule même. Le sang est bien pareil et c'est un sang. C'est dans de quelques semaines que l'on vit. Ah ok, il y a un tremblement et bah oui, bah donc je vous sais. Ça fait quoi sinon ça le casse? Le masque à gaz serait trop. Ok, donc tout va bien. Oh, heureusement que le son il arrive. Alors il fallait de peu, on a attrapé la lampe de poche. Avant qu'elle se brise, mais sauf que cela est... Ouais... Ok... Timmy... est dans un... lamentable... J'hésite. Est-ce que je leur donne de l'eau maintenant? Ou j'attends un autre jour? Non. Attends... Ok, donc il restera une ration d'eau que pour... Attends, quoi? C'est très facile de perdre la notion du temps. Mais la tête ne sait pas que c'est l'anniversaire de Timmy. Oui, bien sûr, on va lui... Non, c'est mort. Timmy, tu vas prendre le petit jeu là-dedans. On va te donner le de soin. Ah, alors. Alors oui, le jeu de dames, ça sert bien pour le... pour pas qu'il devienne fou. Pendant notre évacuation, ouais, on a fait de saisir de quoi manger. Ah oui, alors manger, ça sera demain. Oh, bah non, personne. Ok, alors, Timmy, qu'est-ce que là, toi, bien, rien de nouveau, parfois la meilleure bruit, ok, de l'oreille. D'accord, oh, rien pour l'instant. Ok, elle est toujours pas revenue, Mary Jane. Peut-être Mary Jane, elle ramène plus de la bouffe et Timmy, lui, c'est plus des jeux. Alors, cette vie souterraine n'inspire pas trop d'enthousiasme. Bah, tu m'étonnes, hein. Pas de soleil, pas de ciel. On doit se débarrasser des voisins. Des quoi? Et de ses visions, ouais. Timmy devrait manger quelque chose. Dolores n'a pas mangé. Oh putain, ils ont tous faim. Ouais, mais est-ce que c'est affamé? C'est affamé, je crois qu'il faut leur donner un truc. Ça va. Même souple, on n'est pas au top, on est bien. Alors, ah oui, c'est ça. Ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est pas baigné. L'odeur de l'abri, ouais, il faut qu'ils se lavent. Je vais leur donner des balles parce que l'insecticide, c'est plus pour la poubelle. Enfin, il y aura les cafards. Oh, Mary Jane. Elle a cassé ma caisse. Pas possible. Elle a ramené de l'eau, pas assez d'eau. Et
à faire avec. Putain, elle est sérieuse. Ouais, ok, Mary Jane. Ok, l'armée plus 2 haut, moins un masque. Oui, ok, donc. Sois fin. Fin, épuisement. Bah, repose-toi, ma cocotte. Hein. Là, t'as tout ton temps. Mais comme dans le. On va prendre une expédition et je pense qu'on va emmener Dolores. Ou je sais pas. Non, on n'a pas la radio. Non, je pense qu'on enverra Timmy. Alors, jour 9. Vincent, tout va bien. Déshydratation. Quoi? Famine. D'accord. Bon, ok, alors on va leur donner de l'eau le lendemain. Timmy, bah du coup, Timmy, tu remercieras ta sœur, hein, ouais, pour le masque à gaz. Ensuite, le masque à gaz. Basket là, totalement défoncé. Alors. Je crois que le pire truc qui puisse arriver, c'est qu'il tombe malade. Mary Jane meurt de faim, il faut lui. Alors attends. C'est quoi famine? C'est quand t'as faim? Parce que là, si je réponds pas à son truc famine, peut-être qu'elle va mourir. Ouais, de l'eau et à manger. On se souvient de là où on faisait les escapes de la dernière année. Ouais, c'est la meilleure. Ok. C'est très bien. Souvenez-vous de ça, hein, parce que vous. Encore du temps. Ah, il y aura peut-être bientôt la clé du téléphone qui va sonner. Moi, je vais trop être sauvée par les jumeaux. Marie-Jeanne mangerait bien quelque chose. Mais je viens de te donner à manger. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, mais depuis un jour. Ok. Ah, alors, quand Marie-Jeanne. Oh non. Bah, ouais, là. Parce que, de toute façon, non. Je crois, ils vont. Non, on n'aura plus l'âge. Voilà. Ouh. En voyant la hache, Mary Jane a mal interprété nos intentions. À peine tu prends une hache pour ton pied, c'est parfait quoi. Et a commencé à boiter en. Ouais, d'accord. Ouais, ah, ils ont chauffé la lame de la hache pour rouler sa plaie, comme ça elle allait mieux. Enfin, ça fait mal quand même, mais bon. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, c'est ça. Alors, comment vous portez-vous? Faim, épuisement. Mais repose-toi, je comprends pas. Elle a toute la journée là, pour se reposer. Et voilà, quoi, elle va nous servir un insecticide. Et là, elle me dit qu'elle a, qu'elle est épuisée. Mais repose-toi, en fait, dors. Elle est pas en très bonne forme. Donc là, on a peu de cafards pour l'instant. On l'a échappé belle. Une douzaine de ces insectes lumineux. Super. Aurait suffi pour nous déchiner. Ouais, ok. Besoin. Ah oui, là ils sont comment? On a encore assez d'eau, on a une bouteille et demie. Ouais, on voit rien. Alors aujourd'hui on a entendu quelqu'un frapper à la porte. Mais quand on a ouvert, on a trouvé une valise abandonnée. Non, ça il faut pas ouvrir. Je crois pas. Je crois que ça peut exploser. Il peut y avoir une maladie interne. Ah, Timmy est malade. Oui, oupi. Il nous a ramené une hache. Timmy, tu tombes toujours malade. Ouais, plus une soupe, plus une bouteille et plus une hache. Mais Timmy est malade. Vu que personne d'autre est malade. Ouais, si, je le soigne. Bon, vous allez comment? Déshydratation. Et épuisement, malade et faim. Attends, il y a qui a. Déshydratation. Ok, Mary Jane. Hop. Sauf Timmy. Dolores. Mais en fait, je crois qu'ils tombent tous malades quand ils vont dehors. Donc, j'aurais peut-être pas dû soigner Timmy. Quoi? Timmy, t'es un gros bâtard. Non, pas Ted. Ted, c'est celui qu'il faut garder en vie. Mmh.
jumeaux se voient en décrocher. On va préparer une expédition. Non, j'ai pas la radio. Tu veux pas te soigner toi-même? Oh non, en plus c'est pas contaminé tout le monde là. Encore une émission, oui. 16e jour. Non, je crois que c'était 15e jour. Ils tombent tous malades. Enfin, presque. Ok, ça fait... Non. On oublie la tournée générale. Tournée générale de... Alors, je vais envoyer... Ouais, Dolores, mais... Je suis pas sûre qu'elle revienne en très très bonne forme. Vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai envoyé avec la hache, hein. Peut-être que elle va réussir à se défendre. Je suis pas, elle va la casser. On va bien, oui, ok. Jour 18, que se passe-t-il? Pour l'instant, rien de spectaculaire, mon Zoé. Mary Jane mangerait bien quelque chose. Mary Jane ne cesse de s'évanouir. Bah dégagez-la d'ici en fait. Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Et bah non. Timmy devrait manger quelque chose. Timmy est dans un état lamentable. Nous devrons lui donner de l'eau maintenant. Quand Ted a faim, on peut entendre son ventre, son estomac, juste comme maintenant. D'accord, donc tout le monde a faim. Est-ce que vous êtes en mode affamé? En mode je sais pas quoi. Faim. Oui, mais bon, c'est pas une grosse. Désolé, mais il mérite plus parce qu'il est malade. Ah, notre poubelle! Super! J'aurais dû prendre le livre. Parce que le livre, il est à moitié indescriptible. Je sais pas ce qu'il a, mais il est très très bizarre. Et ça se roule! Youpi! Timmy est parti? Il n'a rien dit de vrai. Ouais, ok. Ah, d'accord. Et bah, Timmy fait sa crise d'adolescence. Voilà. Dès qu'il a découvert en fait qu'il n'aurait pas de bouffe. Mais il a ouvert la porte, il est parti. Oui, attends, oui. Ah, j'aimerais bien. Non, mais attends. Elle doit avoir déshydratation. Ok, déshydratation pour Mary Jane. Je pense qu'on va pas aller très très loin. On peut être soigné le moment, à l'endroit. Ouais, bah Mary Jane, elle va tomber malade, c'est sûr. Parce que je crois les cafards, ça les rend malade. Donc. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va se débrouiller, oui. Même dernier, même maintenant, on va passer les vados. Non, la meilleure solution de gagner l'Europe. Mary Jane mérite quelque chose à manger. Tu as faim, ma petite cocotte? Ah, lui, il est juste malade, sinon il est en très bonne forme. Faim, ça va. Oh, oh. Attends. C'est pancake, faut qu'ils viennent. Oh, je vous jure, c'est pancake. C'est pancake. Et l'autre, elle est tombée malade. Mais. Je sais pas quoi dire. Ils ont quoi dans leur tête? Ils tombent tous malades. En tout cas, elle a ramené de l'eau. Mais non, mais c'était notre seul espoir. Enfin, non. Ah, une valise. Alors, une valise, ouais. Alors, je sais pas quoi ça sert, mais bon. Si, je crois que ça ramène beaucoup plus de choses. Mais bon, voilà, voilà. Marie-Jane mérite de quelque chose à manger. Et bah, tournée générale pour tout le monde, vu que Dolores est revenue. Et elle est malade. Pire. Donc, voilà, voilà. Et bah, franchement, je ne crois pas qu'on va faire de tournée. Hein, parce que si c'est pour que. Bah, Teddy meurt à chaque fois. Ah, on avait toute la fouille devant, mais tout est dénu. Qu'on va à notre chère tante. Oh non, j'espère qu'ils vont pas tomber fous. Là, ils vont. Non, ça a l'air d'aller. Mary Jane se porte plutôt bien. Alors, il nous faudra des photos. Mary Jane mérite de manger quelque chose. Sans blague. En plus, c'est écrit sans blague. Mais je t'ai pas donné. Mais si, je vous ai. Mais non. Mais si, je vous ai donné à manger. Oh non. On n'a pas pour l'instant de nouvelles de pancake. Il faut que. Et les deux là, Dolores et Mary Jane, il faut qu'elles se remettent en forme là parce que.
Épuisement, malade. En fait, Ted y revient jamais. On part en expédition. Jour prochain. Marie-Jeanne doit se reposer. Il ne faut pas qu'elle sorte. Dolores ne peut pas sortir d'ici. C'est une condamnation. D'accord, c'est très encourageant. Ted est assez vigoureux. Ted, c'est mort. Aujourd'hui, on a rencontré un groupe de gens vêtus de blanc. De toute façon, on n'est pas beaucoup, donc allez, pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont nous donner un truc, un kit de soins ou la radio ou... non, ils nous ont absolument... Ah, par contre, juste soif, plutôt pas mal. On a trouvé cette bouteille d'eau, si c'est plus gêné d'oxyder. Ouais, bon, merci, ils nous ont... Ils sont partis, on se demande ce qu'ils... D'accord. Alors, les amis, pourquoi j'ai donné la bouteille d'eau? Alors, sous la porte de la forêt, on a trouvé aujourd'hui une lettre signée d'intention, l'auteur demandant d'envoyer une personne. C'est les jumeaux et Marie-Jeanne va tomber malade. Oh, même pas! Alors pourquoi? Oui, plutôt cool. Alors, c'est vrai. Comme au cinéma, il y avait toujours un milieu de désert, un tueur de droite, mais... C'est les jumeaux qui vont construire leur petit. Je sais pas comment on appelle ça, mais leur truc. Voilà. Alors, Marie-Jeanne est plutôt pas mal là. Donc, alors, on voudrait toujours voir un animal domestique. Je sais pas ce que c'est ça. Oh non! Mais c'est une blague! Pitbull, en plus, elle était bien. Marie-Jeanne, elle était plutôt pas mal. Et je voulais lui faire une expédition, mais... Bah, on va faire une expédition, mais bon, on s'attend à ce que Marie-Jeanne ne revienne jamais. En plus, j'aurais rien donné. J'aurais peut-être dû lui donner la valise. Bon, entre deux malades, hein. Oui, Dorette, elle est comment? Parce qu'elle a l'air d'être plutôt fatiguée, non? Ouais, fatiguée, tout le monde est fatigué. Soif, oh. On a entendu un bruit derrière. Ça signifie qu'une chose, le retour de notre compagnon, des pancakes. Je crois qu'il demande une soupe, je sais pas. Oh, c'était même pas lui en plus. C'était même pas pancake. Ah bah oui, bah c'était pas le pied dans la tombe. Je sais pas quoi faire. On a absolument rien. Quoi? Il pique les oreilles. Super. Tenez deux. La boue. Je t'en supplie. Il faut. Marie-Jeanne, reviens avec de l'eau. Oh non! Non. Bon, alors là, on va tout vous expliquer. Hein. Ted est mort, mais Dolores est devenue folle et malade. Alors, folle, c'est très dur à enlever. Malade, quand t'as un kit de soins, ça va. Mais les deux en même temps, c'est très dur. Bah, mange, hein. Arrêtez de tousser. Oh non, God. Dolores. Je lui donne de l'eau, hein, mais il y a intérêt à ce que Marie-Jeanne revienne avec de l'eau et de la bouffe. Ah! J'en ai marre! Oh, elle est revenue avec. Non, mais. Oh non, en plus, tout ce qu'elle a ramené, c'est trop bien, regardez. Alors, elle nous a ramené un masque à gaz, un livre de scout. Une lampe, je crois, de l'eau, une carte.
Mais elle est devenue folle, elle aussi. Mary Jane est fatiguée. J'ai plus que ça à faire. Hein. Une expédition. Et bah, désolé, mais Dolores est vraiment dégagé. Parce qu'on a gravé aujourd'hui, on a laissé un André. Attends, quoi ? Lorsqu'on a ouvert l'abri aujourd'hui pour laisser entrer un peu d'air radioactif, mais l'air elle est radioactif. Vrai, on a trouvé une petite valise. Et bah écoutez, on est déjà malade, donc même s'il y a une maladie intérieure, je crois qu'on peut aussi trouver une bouteille d'eau, mais bon, là on est vraiment dans. On est. Ok, bah dedans il y avait une soupe. Bah écoutez, plutôt pas mal, hein. Dolores, on va à part, mais pff, je vais t'envoyer avec. Bah aussi la valise. Ah oui, on peut emmener beaucoup plus de choses avec la valise. Non, bah non, vous parlez avec la valise, on revient avec. C'est pas par contre, c'est très glauque, hein, parce que il y a un corps, il y a son père mort, mais tu m'étonnes qu'il devienne fou. Équipement valise, ok, donc ils espèrent oui. De l'eau. Même pas. Attends, t'as quoi? Parce que ça fait 30 ans que j'ai pas regardé. Oh putain, tout ce qu'elle a. Alors, faim, maladie, folle, épuisement, fatigue. Et bah, je vais te donner même pas à manger. Non, trop rien. Oh merde, attends, je mets l'eau. Ils ont besoin de la carte. Oh non, mais les jumeaux, je veux trop qu'ils reviennent. Je veux trop qu'ils nous sauvent. Alors, les amis, Mary Jane, c'est quoi là? Mary Jane, moi j'aurais bien quelque chose. Attends, pas un petit peu. Aujourd'hui, Pancake est revenu chez nous. A l'air très ému, il nous a donné tous les signes du. Pour qu'on. Pourquoi pas? Ok. Attends, mais elle est malade. Ah non, si elle meurt. Ok, donc elle est revenue. Pancake va revenir, je sais pas à quel jour. Selon nous, un voyage bien préparé par jamais. Ok. Plus 3 sous. Et bah, tiens, Mary Jane, c'est pour toi. Force à toi. Sois le respect. Non. Ah, je parie de Dolores, elle est morte. Si on veut être au courant. Dolores, elle est morte. On a vécu 37 jours quand même, c'est mon record. Mon record, c'était 21 jours. Vie tardive, ouais. Oh non. Est-ce que on essaye de faire une autre partie? Oui. Ouais. Allez, ouais. Je vais essayer une autre partie, mais j'avoue là, je ne vous promets rien. J'espère juste qu'on va réussir à gagner. Enfin, au moins tenir pendant assez longtemps. Vous voyez, c'est une musique qui est émue, alors quand ils sont dans le bunker, ça fait peur. Oh, pardon. Alors. Ok, donc. Je vais prendre Mary Jane. Non, je vais prendre Timmy. Et parce qu'il faut. Ouais, bah, ils prennent tous les deux. Bien. Mary Jane, j'ai oublié de la prendre, je crois. Oh, thank you.
J'ai pas pris le... Oh non, il est où le... J'ai pas vu le kit de soins. Là déjà j'ai pris la radio. Oh, j'ai pas pris le truc quand ils vont prendre la douche là. Oh non, elle... Je crois que c'est la pire. Jour 1. Oh, et bah... Vrai... Pas top top, mais bon, pas mal. Il y avait déjà le jeu de cartes, je me disais bien aussi que j'avais pas pris. Ok, donc là pour l'instant j'ai pas besoin de leur donner de trucs, donc ils vont parler avec les boîtes, faire tout ça. Ça fait bizarre là quand ils sont pas verts. Alors, bah pour l'instant normalement vous avez rien. Je vais faire une expédition pour demain. Enfin pour demain, ouais. Vous avez rien besoin. Alors. Ok, alors on a peut-être l'impression de. Ouais, je crois qu'il faut faire ça, sinon ils vont peut-être devenir fous. Le lendemain, ouais, au jour 3, je pense que je vais envoyer Tim avec le masque et gaz. Parce qu'à chaque fois, elle le casse, Marie-Jane. Alors attends, Marie-Jane demande de nous trouver quelque chose à boire. Oui, bah attendez, soif. Ouais, le temps que c'est pas déshydratation, ça va. Ok, alors on va envoyer Timmy. Avec masque à gaz. Jour 4. Timmy est parti. Donc si vous me dites Timmy est parti. Alors oui. Marie-Jane ne cesse de s'évanouir. Oui, attends, tu vas boire de l'eau, mais demain. Timmy a quitté l'abri. Ok. Alors, je crois là vous êtes tous en déshydratation. Ouais, et bah ce sera demain. Ouais, je sais, je suis un gros retard. Bonne nouvelle! Oh non! Attends, qu'est-ce qu'il faut? Si on ne veut pas croire la radio, il faudra bientôt. Ils font enfin. Ça va faire quoi? Ah, bah ça a rien fait. Ça va. Alors, c'est trop dangereux de sortir à la surface. Aucune protection. Ok. Tout va bien pour l'instant. De l'eau, parce que vous avez soif, enfin, je crois. Bon. Alors, jour 6. Timmy, je crois qu'il va revenir au jour 8 ou 9. Quoi de 9? Ouais, bon. Bien. Ok, donc tout va bien. Et c'est au jour 7, je crois, qu'il faut que je leur donne à bouffer. Enfin, ah bah non, oh bah, oh Ted, bravo, hein. C'est lui qui demande tout le temps en premier. Bah en fait, ils ont pas besoin de grand chose, j'ai le petit. Alors, quand. Attends, on jugerait que cette flaque. Non, que cette flaque n'était pas avant, ni c'était autre là-bas. Zut, on est. Inondé, non. Oh, je sais pas. Les cartes, ça sert à... La carte, peut-être. La radio. Si on veut partir avec les... Ouais, du coup... Attends, c'est quoi les cartes? Bon, bah, les cartes, sont tous en même partie. Attends, quoi? Ah, oh, je crois qu'elle était devenue folle. Moins une carte, moins les cartes, super. Bah, on n'a pas mangé depuis longtemps. Enfin. Ok, alors au jour 10, peut-être que je vais leur donner un. Ah oui, alors. Écoutez la radio, ça vous. Ah, bon, s'il a cassé. Oh non, ils l'ont cassé. Ah non, c'était le carré. Timmy n'a pas cassé le masque à gaz. Il nous a ramené de la bouffe. Il nous a. Oh, c'est pas mal. Et bah. Quoi? Ah ok. Je crois qu'il a cassé le masque et gaz, mais il en a trouvé un autre. Et bah il a ramené de l'eau. Ah bah hop. Pour tout le monde, c'est gratuit. Dolores, je pense. Dolores est bien reposée et énergie. Vous l'entendez? Non, c'est parce que personne... Ne dis rien, d'accord. Ouais, radio, écoute-la. Reposez-vous. Et reposez-vous vite parce que bah, déjà Dolores va partir avec le masque à gaz. C'est possible qu'elle ne le casse pas. Je sais pas comment ils peuvent le casser, masque à gaz. Parce que masque à gaz, on est d'accord que c'est. Attends, on peut partir avec la radio. L'autre, elle va se promener avec la radio.
Parce que le masque gaz, c'est quand même assez solide, je pense. Donc c'est pas du tissu, enfin ça va, mais... Ah, je crois qu'elle était morte, alors que c'est moi qui l'envoie. Alors, Mary-Jane mangerait bien quelque chose. Timmy a très faim. Et Ted, vraiment, bravo. Il est pas fatigué, il a pas faim, il a rien. Alors lui, oui, alors... pas encore, non. Dans 2 jours, vous aurez à manger. Oh, ben, j'espère qu'ils vont pas partir, je sais pas ce qu'ils ont pas eu de bouffe. Alors, parfois le matin, on devrait reposer la paix. Ok, maintenant, Ted désire quelque chose. Quelques gouttes d'eau. L'hydratation? Non, bah pas pour l'instant alors. Demain, promis, demain vous en aurez. Son travail, le chapeau, son abri, plein de petits insectes. Ou quelque chose de pire. Merde, d'accord. Ok. Ah, attends. Attends. Soit on travaille du chapeau, soit l'abri est plein de petits insectes. Ou de quelque chose de pire. Merde. C'est pire. Les araignées. Est-ce que ne sont pas sympas, mais grandes bêtes poilues. Bah attends, parce que je crois que Mary-Jane, elle peut devenir mutante. Bah, il faut peut-être attendre, mais j'ai vu ça dans plusieurs vidéos, là, de 60 secondes, ouais, parce que je me référence un peu, mais bon. Je crois que Mary-Jane, elle peut devenir mutante, il faut juste des araignées ou je sais plus quoi. Ok, alors... Déshydratation. Tout le monde va boire. Enfin, tout le monde, sauf Dolores qui est parti. Mary-Jane nous a bombardé d'aujourd'hui en spécial après de longues déblations et minutes. Le jour. De quoi? Oh non, la pauvre! C'est son anniversaire, mais on n'a plus rien. J'espère qu'elle va pas devenir en colère ou qu'elle aura pas de carte. J'espère qu'elle va pas être en colère. Non, ça va. Oh, la pauvre. Fin. Alors, demain, ils auront à manger. Même si elle revient pas de l'oreille, ils en auront quand même. Ils peuvent être affamés, mais évidemment... Ok, alors, la dernière chose à laquelle on s'attendait dans l'abri anti-atomique, c'est d'entendre la trompette. Ils sont toujours trompés. Pire, jamais près de nous. C'est soi-disant un musicien souvenu avec les autres mecs qui. Attends, quoi, il y a des. Non, moi je dis non parce que là en plus on est très bien parti. On a presque tout et si on laisse entrer ils peuvent. Ah, oh parfait. Oh Dolores, parfait. Bah déjà elle a ramené un insecticide, c'est pas mal. Mais elle a aussi le masque à gaz qu'elle n'a pas cassé. La hache, on avait une hache, je sais pas. Ah, elle a ramené la lampe. Oh, c'est un masque à gaz. 4 soupes. Oh Dolores, oh, une carte. Elle a tout ramené. Oh, alors là. Ah, tout le monde peut manger, tout le monde peut boire. Mary-Jane. Alors oui, ah là c'est les jumeaux. Les jumeaux, ils sont venus. Enfin, je vais dire ils sont revenus, mais non. Ah les jumeaux, donc, bah de toute façon là je me connais, oui, on a décroché, on a un gros souffle. Mais si, mais bref. Alors, quelque chose à manger, quoi. Quoi? C'est qui doit manger? Tête à faim. Oh, attendez, vous êtes comment? Épuisement, faim. Famine. C'est quoi famine? Je crois pas, ça met famine. Ok, bah Mary-Jane, pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Alors, on décide de jeter un coup d'œil dehors et à ce face, on voit. Attends, est-ce que. Faut prendre ses pancakes.
pancake. Oh, pancake, j'ai envie qu'il vienne dans l'abri. Sauf qu'il est blessé. Oh non, on n'a pas le kit de soins. Pancake, je crois, il va se blesser vraiment. Et il faudra le kit de soins. De soins pour pancake. Je vais donner à manger parce que déjà on a plus une soupe. C'est pas mal. Va avec le masque à gaz. S'il te plaît, ne le casse pas. Pour l'instant, on a eu deux vols. La dernière fois, au premier coup, on l'a fait casser. Mais là, ne le casse pas. Équipement, ouais. Timmy a très faim. Alors, dans deux jours. Promis, dans deux jours, vous aurez de... à manger. La musique s'arrête d'un coup. Et bah, attends. On a eu une émission. On s'est précipité vers la sortie, mais il semble faire quelque chose avant qu'il nous voit. Tous les survivants doivent laisser une marque dans les alentours. Et donner les coordonnées, je crois que... Bah, allez. Ah putain, j'ai eu peur, je crois qu'il s'appelait un séquence. Des hydratations. Il reste plus qu'une bouteille d'eau. Ah non, une et demie. Ouais, ok. Ça parlait. Amusez-vous là, parce que... 21, là, il y a... J'étais mort. Timmy, qu'a-t-il? Tout va bien. Moi où Timmy est en très bonne forme. Ted et Timmy sont en excellente forme. Dolores, on va lui donner. Ah non, putain. Je voulais donner à manger à Dolores. Ah, elle se porte un peu mieux. Fatiguée. Bah, Dolores, pour que tu te rétablisses un petit peu, je vais te donner à manger. Voilà. Ted, alors. Et puis non, tu sais, demain. Je veux qu'elle revienne. Quoi? Attends, quoi? Eh non, elle est morte. Oh, Marie-Jane a promis de bientôt revenir, mais elle est toujours pas là. Oh non, Marie-Jane, elle est morte, elle avait le masque à gaz. C'est pour la peau. Oh non. Bon, bah, ration pour tout le monde. Bah oui, Oh, je suis dégoûtée. Les gardiens à la porte pourraient signifier quelque chose. Notre amie... est de retour. On a tous couru pour ouvrir la trappe. C'est des mutants. Attends, des mutants hypothétiques, mais on a eu de la chance. Notre ami poilu est bien affamé et fatigué. Bah oui, t'inquiète, on va lui donner à manger, bien sûr. Oh, il est toujours pas là, pancake. Oh non, fatigué. Soif. Oh non. On a plus assez d'eau. Désolé, mais non pour la tour. Oh non. On aurait le pistolet, on aurait pu avoir un kit de soins. Sauf que nous ne l'avons pas. Je suis dégoûtée. Alors, que se passe-t-il, les filles? Alors, au revoir, comment allez-vous? Déshydratation. Allez, je teste un truc. Je vais essayer d'aller au prochain. Rien, je t'aime rien. Timmy va tomber malade, c'est sûr. Ah si, attends. Plus désertique. On sait qu'il y a un groupe de survivants d'une maison de repos. Je sais pas, est-ce qu'ils peuvent devenir fous? Mais ça peut ramener des provisions alors.
sur mon lit. Je m'attends au pire. Je m'attends vraiment au pire. Oh non! Oh non, non, non! Nous avons dû faire pour la famille. Nous avons dû, on ne veut plus aborder ce sujet. Quête boudée. Il y a une bande de fanatiques qui les a. Eh bah les amis, on a tenu 30 jours. En plus là, tout était parfait. Timmy, il était parti. On nous a chassés. C'est même pas qu'on a perdu, c'est qu'on nous a chassés. On a même plus voulu nous voir. Eh bah les amis, que vous dire d'autre à part que c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Ça ferait beaucoup du bien. Abonnez-vous parce que bah déjà ça fait que 2 secondes. Ça prend même pas 1 seconde et ça fait vraiment du bien. Donc abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si elle vous plaît. Bien sûr que oui, je vais refaire d'autres parties sur ce jeu parce que c'est un très très bon jeu. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et c'était Woka Gaming. Vous savez quoi dire après? Ouais, ciao.